Yop les dinosaures, c'est Raiden, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va super. Aujourd'hui les gens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Black Ops 3. Comme vous pouvez le voir devant vos yeux, on est en domination sur Ryze, donc domination simple. On était en petit groupe de 3 au calme, c'était assez tard, donc je fais une grosse dédicace à Napoléon et à Magic Gun. Magic Gun qui est un membre de ma team, la Dream. Donc on se retrouve pour une petite nucléaire au calme à la Manowar encore une fois. Il s'avère que j'aime beaucoup cette arme et que j'ai trouvé une classe qui me convient vraiment bien. Et du coup voilà, forcément quand il y a de la nucléaire etc à faire, personnellement j'hésite pas à prendre ma petite Manowar. Après il faut pas croire que je fais toutes mes nucléaires avec la Manowar. Même si franchement dernièrement j'en ai fait une grande partie avec. Là franchement personnellement j'ai juste envie de m'amuser. J'ai pas envie forcément de varier ou de faire des gameplays avec des armes de merde que je déteste. Donc voilà, je pense que vous pouvez comprendre. Du coup, alors c'est aussi simple que ça. Pour l'instant, le nombre de nucléaires que j'ai sur le DLC, j'en ai 5 et j'en ai 3 sur Ryze. Donc selon moi, Ryze a le meilleur potentiel pour faire n'importe quel gameplay. Pourquoi? Parce que les spawns sont tout simplement débiles. Voilà, mais débiles dans le bon sens, tu vois. C'est-à-dire que tu peux te retrouver tout seul dans le spawn avec 6 flèches rouges autour de toi. Tu vois, tu vas pas parler chinois, il suffit de débouler une petite faute, tu vois, tu louches pas. Et puis voilà, c'est fini pour eux. Et puis tu vas faire une putain de nucléaire stylée. Mais bon, faut pas abuser non plus. Même si c'est un peu ce qui va se passer à un moment. Mais j'étais pas tout seul, je crois qu'il y avait un mec qui était pas loin de moi, tu vois. Mais j'étais vraiment tout seul dans le spawn avec une faute, c'était trop marrant. Enfin bref. Je sais plus trop par où je voulais en venir, ouais, plutôt. Mais en tout cas, moi personnellement, au niveau du DLC, j'adore Ryze. Même si clairement la map est assez grande et tout, tu vois, il y a vraiment possibilité de camper et tout. Moi, en termes de gameplay, je me suis reconnu direct dedans. Je me suis dit, putain, franchement, il y a des bons spawns et tout. Et voilà, du coup, une petite nucléaire au calme avec la Manowar, suivie de quelques kills à la faux, comme d'habitude. Et voilà, j'ai encore une nucléaire quoi qu'il arrive des DLC qui est sur Skyjacked. Celle de Splash, du coup, je vais les poster en live et je suis désolé, hein, bien entendu, la piste audio était complètement buggée, je sais que vous l'avez remarqué. Et ça, c'est ni ma faute, ni celle de Grony qui me l'a passé. C'est tout simplement celle du logiciel qui a décidé de nous, comment on peut dire ça gentiment, de nous copuler. On va dire ça comme ça, ok, ça passe bien. Voilà. Du coup... j'ai quelque chose à dire concernant le patch aussi, c'est que moi je me retrouve des fois à être un mec pas chanceux, tu vois. Genre il y a des gens qui ont de la chance, il y a des gens qui en ont pas, tu vois. Et moi si je te dis que je ne peux tout simplement plus faire tout ce que je pouvais faire avant le patch, j'ai pas le droit de faire une classe rapidement, sinon mon jeu plante, et j'insiste vraiment. J'ai pas le droit de regarder mon classement, mais dans n'importe quelle catégorie, hein, je peux pas regarder mon classement zombie, campagne, free run, même comment ça s'appelle, Dead Ops Arcade et tout, multi. Donc, si je regarde ne serait-ce que. Enfin, si je vais dans le classement, je plante. Voilà. Une erreur est survenue lors de machin de l'application, blablabla. C'est assez merdique et personnellement, je suis vraiment pas content que voilà le patch, bah, il est pas vraiment patché, tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est qu'ils te font un patch pour que logiquement il y ait le moins de bugs possible, mais c'est pas le cas, ok? C'est vraiment pas le cas. On va prendre l'exemple de Splash, ok? J'aime bien cette map, mais je ne la joue plus tant qu'elle n'est pas hotfix, ok? Donc elle est, tant qu'elle n'est pas débuggée. Parce que comme vous le savez peut-être certains en tout cas, quand tu vas dans le toboggan, je ne dirai pas quelle couleur pour éviter que certains d'entre vous les fassent, bande de petits coquins. Mais quand tu vas dans un certain toboggan, tu peux genre sauter, je sais pas quoi, et tu arrives dans un out of map, tu vois. Enfin, t'es encore dans la map actuelle, tu vois, mais tu es intuable. Genre, toi, tu peux faire ce que tu veux. Il y a des bugs de graphisme à mort et tout, et bref, t'es intuable. T'es juste un gros casque du multi, tu vois. Et voilà, donc, c'est vraiment dommage que le patch, bah, ce soit pas vraiment un patch complet encore. Mais en tout cas, voilà. Moi, en tout cas, je suis pas trop content, mais quoi qu'il arrive, voilà, je suis content. On a le DLC, Ryze est bien, Skyjacked est bien. Gauntlet, bon, j'ai pas encore mes marques dessus et tout, mais bref, on verra bien. Et personnellement, moi qui suis pas vraiment un joueur de zombies, la nouvelle map, elle déchire, je trouve. Franchement, je l'aime vraiment bien. Je verrai pour faire du zombie de temps en temps avec les poteaux, que ce soit avec Grony, Xenon, Tonio, bref, peu importe, on en fera, je pense, même en live stream. Et d'ailleurs, si j'ai envie de parler de la stream, live stream, excusez-moi, il se trouve que je cherche des solutions pour avoir la connexion et pouvoir stream parce que je crève d'envie de stream, sachez-le. Limite, je vais pas dire que c'est un rêve pour moi, mais c'est vraiment un truc que je veux faire depuis très très longtemps. Je ne pense qu'à ça. Et malheureusement, c'est toujours pas possible. Faut savoir que je serai
je serai fibrable, on va dire ça comme ça, vous foutez pas de ma gueule, seulement en 2017 ou en 2018, parce que je suis proche de Marseille, et voilà, Marseille, c'est la ville de la Hesse, tu vois ce que je veux dire ou pas? Je pense que le seul endroit où il y a la fibre à Marseille, c'est vers la Gaming House des Millenniums. Donc voilà, bref, c'est un peu la crise. Mais d'ailleurs, si vous avez des solutions, n'hésitez pas à en faire part en commentaire, je serai toujours là à voir, à prendre, si jamais je peux faire quelques démarches, j'en sais rien, si j'ai de quoi améliorer ma connexion, avec plaisir, je le ferai, ok? Du coup, prochain gameplay, bah, j'en ai encore un normalement en live sur Ryze avec Tonio. On n'était que deux. Lui faisait sa découverte sur Ryze. Et moi, du coup, j'ai pas fait ma découverte parce que j'avais déjà fait Ryze juste avant. Mais j'ai fait ma première nucléaire sur Ryze avec lui. Et elle est plutôt stylée d'ailleurs. Faut savoir que limite, je l'ai fait seul parce que lui découvrait forcément. Il allait pas me mettre full hater et tout. Et moi, bah, du coup, je me suis mis full hater pour ma gueule. Et en tout cas, dans le gameplay en live, et voilà, j'ai réussi à faire ma nucléaire. Donc, en sa compagnie, je suis content. Du coup, je compte aussi. On va aussi poster d'autres lives, hein, même pas forcément, j'ai envie de dire, sur les DLC, que ce soit peut-être du Nocturne et tout. On va essayer de varier en tout cas pour les prochaines vidéos sur ma chaîne. Et en tout cas, j'espère que celle-là vous plaira. Hein, vous plaît. Voilà, on va pas parler au futur, on parle aussi dans le présent, parce que là tu m'écoutes, ok? Bref, du coup j'ai fait mon nucléaire, j'ai fait quelques médailles Gunstreak, et malheureusement je suis mort. Du coup j'ai même tenté la double, mais j'ai pas réussi, voilà, j'étais en 16-17, bref, tant pis, c'est pas grave. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire, si vous avez quelque chose à dire, et si je peux y répondre, j'y répondrai. N'hésitez pas à me follow sur Twitter, qui est d'ailleurs dans la description. Je vous dis ciao ciao les gens, à une prochaine, prenez soin de vous, c'était Raiden. Bye bye. Bye!